Plop les gens, de retour sur Dandara. Du coup, cette fois, c'est le passage des exilés, ou la partie exilée, exil. Donc, nous allons découvrir... Décalage du ressassage. Gardien, celui qui restreint, inoubliable. Ah, et la carte est quand même grande. Je veux dire, ça m'empêche pas. Ah, mince. Ah, mince. D'aller explorer, mais j'ai en plus l'impression qu'on doit explorer pour... trouver les yeux qui manquent. Oui, j'allais dire, vaut mieux d'abord explorer puis après finir par cela. Mais en fait, cela... On est obligé. Il y a les tentacules qui nous bloquent avant. Hop là. Je pense avoir fait toute la moitié du... Oh! Oh punaise, il n'y avait pas pire. Hein. Pas pire timing. Je fais nimp. Faut se ressaisir. Je sais pas pourquoi j'utilise la potion, il n'y en avait pas besoin tout de suite. Ah ok, je crois qu'il est...
que tout a disparu. Non. Ok. Oh mince. C'était juste... Je sais pas pourquoi je veux le battre. J'ai peut-être la possibilité de juste m'enfuir. Ok. Et là, il reste plus le dernier.
bien plus silencieux. Ça change totalement l'ambiance. Cache de Nara. C'est un oiseau. Il y a nombre d'oiseaux, ok. Nara. Ils peuvent tous. Même je ne changerai pas d'avis. Que? Est-ce que tu as vraiment retiré la barrière? Celle de dehors qui m'empêchait de sortir? Ouf, merci! Je peux enfin déployer mes ailes et reprendre les forces. Une petite minute. Tu es Dandara? Je pensais que tu serais plus âgé. Oula, ça a décalé un peu. Je suis Nara, la voix de la contestation. Je chante quand j'entends, quand je désespère, quand je suis perdu. Je chante pour toujours. J'étais emprisonné ici parce que je me suis dressé contre Eldar. J'ai toujours su qu'un jour, cette tristesse prendrait fin. Et à présent, grâce à toi, l'espoir est de retour. Ces yeux d'effroi, ils ont une odeur, ou plutôt une puanteur, non? La peur elle-même a une odeur bien particulière. Ce miroir que tu détiens porte l'image même du sel. Quand tu y plonges ton regard, c'est ce reflet qu'il voit. Tu peux à présent bondir vers la peur pour l'affronter. Quand tu le feras, je chanterai plus fort que jamais. Mes paroles n'ont pas suffi, mais avec ma voix et tes actes, il y a de l'espoir. Faisons tomber Eldar à tout jamais. Ils peuvent m'enfermer, ils peuvent me faire du mal, mais ils ne me réduiront jamais au silence. Et toi, tu sais quoi faire. N'oublie pas, à eux seuls les mots ne peuvent suffire à renverser Eldar. Tu sais quoi faire. Mais ça a l'air trop bien, je... Dit-elle du ressayage, ressassage. J'ai été partout. J'ai été partout, donc il n'y a plus rien dans cette pièce. Je penserais que ce serait bien plus long. Bon, on a déjà mis 10 minutes, donc j'ai bien fait de ne pas l'intégrer à la vidéo précédente, mais... Si c'est bon, j'ai un peu plus de sous. Du coup, j'ai envie de juste augmenter ça, moi, mais... J'ai plus envie d'augmenter les... la taille de l'écharpe maintenant. Donc il y a la partie haute où je peux réessayer, juste voir si maintenant j'ai avec un peu de plus c'est mieux. Si, incroyable mais vrai, je suis passé avec mes PV et ça m'a tout rendu, surtout. Résilience croissante. Ok. Thank you.
Dernier objet. Je pensais que ce serait avec Nara du coup, mais c'est bel et bien ici. Conscience du sel. Obtenez un instant de concentration en échange de requêtes. La conscience renforce vos arguments, mais les erreurs ne pardonnent pas. Puissance de la conscience. Donnez de la force aux flèches de la liberté. Le sel remarquera les erreurs deux fois plus durement. Puisse son attention chancelante se maintenir encore plus longtemps. Ah oui, je vois à droite que j'ai ça. Que j'ai la main ouverte. Il y a juste... Non, ok, on peut pas. Donc si j'ai bien compris, genre je prends deux fois plus de dégâts, mais je fais sûrement deux fois plus mal. Et moi qui me disais je peux pas passer, en fait, c'était là depuis tout ce temps. Je faisais n'importe quoi. Entrée voilée. Ouais, mais c'est un peu à sens unique. Du coup, ici, X. Il faut que je vienne là. Par en haut ou par en bas, je pense que ce sera plus sympa par en bas. Et il faut aussi... Donc je suis là, je peux pas prendre cette transformation là. Faut que je me transforme ici. Je me suis trompé. Que je remonte à gauche. Et ouais. Non. Dans cette pièce, on est beaucoup trop près du dedans d'un. Réfugation hésitante. Alors là, je viens d'en haut. Je vais aller à gauche. À droite. À gauche de là où je viens. Là, je ne veux pas monter, je veux retourner dans le monde normal. J'aurais pu me TP aussi, mais vu que je connais pas les noms des feux de camp. Donc là, on peut monter, mais on va juste aller... Sauvegarder avant. Périphérie de la capitale, Dandara. Donc évidemment plus de sous. Voilà. Obtenez un instant de concentration en échange de requêtes. Requêtes, c'est les sous. Ah. Peut-être que j'appuie sur le bouton bas du coup. Là, j'ai mis deux coups. Ok, je clique, ça s'active. Je reclique, ça s'enlève. Et ça me prend du sel tant que c'est activé. Donc c'est plutôt pour passer un ennemi que j'ai du mal.
que pour ce genre d'ennemis. Parce que ça prend masse de thunes très vite. Si j'ai bien compris. Là-haut. Ça fait pas vraiment bruit en forêt de sel et de racines complètes, hein, mais c'est pas grave. Alors oui, c'était bien là que je voulais revenir dans l'autre monde. J'ai voulu revenir ici juste parce que c'est une grande salle et qu'il me semblait avoir loupé un truc, mais en fait pas du tout apparemment, ou alors c'est caché, faut savoir où viser, mais je laisse ça au complétionniste. Ok, du coup maintenant tout le nord c'est bon, on peut essayer de revenir tester ça, parce que ça nous rapprochera d'ici, qui est la vraie zone qui nous reste dans les deux mondes. Et les deux endroits là, ici et là, je ne sais vraiment pas comment les atteindre. Même avec les pouvoirs que j'ai, il n'y en a aucun qui me dit quelque chose. Donc je vais revenir ici. Donc c'est... Donc là je remonte, je passe, ok. C'est vrai que les ennemis sont réapparus. Au secours, ça change trop de sens. Là. Alors là, on veut descendre. Juste au cas où, je vais quand même aller dans ce... camp. Sauvegarder. Au cas où on y arrive et que ce soit... qu'il y ait des dégâts. Par la suite. Putain, j'étais en mode... La première fois que je suis arrivé ici, j'ai eu tellement peur pour repartir maintenant. Enfin peur. Pas peur, mais j'étais en mode... Ah, je vais prendre des dégâts de partout, je vais crever. Alors que maintenant, c'est... si je tue un œil, pourquoi pas. Non. Une page rouge a arraché un carnet sur le sol et le couvercle d'une belle écriture. Ça a commencé comme des jeux d'enfants, des gaffes rigolotes dont on parlait ensemble dans les moments de fatigue. Mais on est devenu de plus en plus audacieux jusqu'à ce que l'Azuli finisse par nous gronder. On a promis d'être sages. Peu après, l'armée eldarienne a lancé l'assaut sur la capitale. Le sel ne semblait pas sûr, comme s'il nous en serrait.
C'est là que j'ai vu ses dents pour la première fois. Les gueules sortant des murs. Elle nous attirait, nous séduisait. Là-bas, personne ne pourrait nous gronder. Et aussi, personne pourrait te protéger. Alors, il y a déjà beaucoup de backtracking sur ces deux derniers épisodes. Je suis un peu désolé. Enfin, je suis désolé plutôt. Et vu que la partie dorée, c'est compliqué. Je ne voulais pas la faire tout de suite. Ah, les murailles d'or là. Vu que ça ressemble à une fin du jeu quand même. Alors. On va tester celui-ci. Ouais. C'est plutôt très bien. Et c'est bien mieux que les pics. Il fallait y penser. Il suffisait d'y penser. C'est pas ma réplique, c'est pas grave. Tout ça juste pour un coffre. Vérité sous-jacente, c'est ça. Ah ouais, un coffre de 6300. C'est pas de la gnognotte quand même. Mais ça reste du complétionnisme à 100% du monde. Mais bon, tant que c'est de l'exploration, je vu que j'étais pas sûr. Donc il y a cet endroit-là qui m'a l'air d'être encore une petite zone, hein, à force. Ici, pareil, je pense qu'il n'y a pas une grande zone. Non. À chaque fois, je me trompe de touche. Ouais, en plus, même dans l'autre monde, la carte, elle va pas beaucoup plus loin. Donc là, il y a sûrement ces deux endroits où il faut revenir. Mais je crois que sinon, il nous reste vraiment que toute la partie muraille d'or, dans les deux mondes d'ailleurs. Bah, vu que je suis là. Autant y aller tel quel. C'est juste un raccourci. Ok. Oui. La vue d'or d'en dessous. Ouais, le but c'est de rentrer, c'est de visiter, c'est... La dernière fois que je suis passé, le but c'était justement d'éviter. Vu que du côté normal, c'est crotte de la malchance. Vu que du côté normal, on est plutôt freiné par les ennemis. Ok, donc là c'est juste une énorme zone, ok, très bien. Défouloir en cas de stress intense. Ouais. Mais du coup, dans ce monde-là, au
final, j'avais eu un peu peur de rentrer au cas où il y avait là 3-4 salles compliquées avec des ennemis. On vient de se rendre compte que non. Mais ça veut dire que dans ce monde-là, on n'a pas de problème avec les gardiens du... Ok. On va regarder par en haut, vu qu'il y a un autre passage. Je vous montre ici. Si ça se trouve, ça va être pareil, il n'y aura pas grand-chose. Mais sur le moment, je ne savais pas. Attendez, du coup là, on va... pas grand chose de passer dans l'autre monde, il me semble, parce que la zone d'ici ça sera bloqué. Par contre, à un moment faudra que j'y retourne dans ce monde, mais c'est là. Oui. Ah, est-ce qu'il y aura toujours la vieille en fauteuil roulant ? Que je puisse m'échapper pour s'échapper elle aussi. Est-ce qu'on passe par le premier ou le deuxième étage? On va passer par le premier. Par le deuxième, enfin, vu que c'est le chemin aller, des fois dans le chemin retour. C'est un truc compliqué parce qu'il y avait des ennemis, mais que vu que j'ai fini la tour, il n'y a plus les ennemis. Et du coup, c'est un peu ridicule. Enfin, en bas, quand je serai en bas, il va falloir faire gaffe. Il y a des pics en haut, en bas. Mais à part ça, rien de d'exceptionnel. Voilà, mais si je me fais toucher, pas si grave. Ça me permet juste de ne plus rien faire. Mission du pousseur. Je sais pas pourquoi je l'avais pas pris. Soit j'avais peur entre guillemets d'être trop... Ouais, je crois que j'avais pas envie de trop rentrer dans la muraille. Je
ne sais pas trop. Là, c'est par où qu'on va pouvoir attaquer, entre guillemets. Apparemment, je peux aller tout en bas ici, donc on va reprendre par ici. Ah non, là, je peux pas revenir en arrière. Ok, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, dès qu'on peut, on monte, et dès qu'on peut, on va à droite. Comme ça, on va sauvegarder dans celui-là. Soit je passe par la droite et je vais en bas, soit je passe par la gauche et je longe, je veux dire en longeant, et je longe et du coup j'essaie de passer par la porte principale. Je préfère passer par la droite pour le moment. Oh, ah oui. Papier a été glissé entre les briques. JB, nos forces s'amenuisent. Il n'y aura bientôt plus de résistance dans la capitale. Nous avons connu tant de pertes face à Eldar, à l'oubli, à ses horribles gueules. Olga, Aganor, Cecilia, Dandara, Guilia. Je m'efforce de garder leurs noms en mémoire et de les écrire partout. Il ne faut pas les oublier. Tant que nous en souviendrons, le sel s'en souviendra aussi. Tant que le sel se souvient, il reste de l'espoir, Hélène. Ou alors... Et oui. Non, non. C'est comme ça qu'on obtient ce coffre avec une potion de mana en plus. Très bien. Si jamais. Alors là, j'ai dit, je veux passer par la porte ici.
faut juste l'ignorer. Il fallait juste l'ignorer. Celui-ci. Ok, là il y a des lasers et il y a un coffre. Où est-ce que je suis? Carré de l'intention. Ah mais non, mais je pouvais pas aller plus bas. Ok, le coffre là, ok. Pourquoi je peux juste revenir en arrière? Ça servait à rien. Désolé. Mais je suis passé ici il y a tellement de temps que je ne m'en souvenais plus du tout. On va prendre ça. Alors est-ce que c'était ici? Non, c'était la porte du bas quand même. Non, on s'en fiche de lui. La menace d'or. Plus facile que l'autre. Oups. Quand découvert? Comment ça découvert? Je n'ai jamais allé ici. Je n'en ai qu'à moitié. J'avais oublié les yeux dans le mur, sur le mur là. Oh punaise. Comment régler son compte à 7 ici? Peut-être avec l'attaque bleue là qui reste sur place. Il faut d'abord que j'aille récupérer mon cadavre. Excusez-moi le téléphone qui fait des interférences. J'espère que vous les avez pas trop entendus. Non. Je peux passer par la gauche, ouais.
pas passer par le... par l'entrée principale, ou alors il faut que je détruise quelque chose avec certains yeux que je ne... qui n'ont pas l'air plus liés que ça pour le moment. J'ai essayé de l'utiliser. Je n'ai pas su. Ah oui, mais la brèche dans le mur, elle est... elle est fine, quoi. Là, il y a deux coffres. Il y a encore un coffre d'ailleurs dans un vase clos. J'ai jamais compris comment attaquer les endroits vase clos. Apparemment, attaquer les yeux qui clignotent ou pas, ça change pas grand chose. Et c'est comment vu de l'autre côté, là, dans l'autre monde ? Se retrouve soudain chargé d'une odeur âcre, le sol est couvert de crottes séchées, de grouillants. Voilà qui résout le mystère de l'odeur. En étudiant ces pics de plus près, on remarque qu'il en émane une puissante odeur féroce. Elles produisent aussi une curieuse chaleur qui se diffuse dans l'air. C'est comme si elles étaient vivantes. Ah, si. J'allais dire, j'ai rien pour viser et être sûr. Si, justement, j'ai ça. Puisqu'on le voit pas, mais on le voyait depuis la salle d'à côté. Donc là, normalement, je peux prendre ce coffre. Si ça se trouve, en retournant dans l'autre monde, je pourrais même... La porte entre les deux coffres est peut-être même libérée. 3000, ok, c'était pas une énigme compliquée selon le designer. C'est vrai, fallait juste prendre le temps. Thank you.
pour voir si les deux coffres sont toujours séparés dans l'autre monde. Ou si juste à faire ça dans ce monde-ci, ça a influé, mais ça n'a rien influencé du tout. Alors là, je suis vraiment perplexe. Je sais pas du tout quoi faire, où aller. Cette petite brèche ne sert à rien dans ce monde. Enfin, on peut pas passer nous-mêmes. Peut-être qu'il faut envoyer les pics, je sais pas. Ici, on peut rien faire. Là-haut, on a l'œil qui est dans la porte, mais... Bon, j'ai pas essayé tous les tirs, parce que c'est assez stressant avec tout le monde qui attaque. Mais à part peut-être les missiles de Johnny B, je vois pas, vu que le choc en dessus marche pas. Peut-être l'arbre de souvenirs aussi. Ouais, il y a au moins deux sorts à tester. Peut-être ces deux-là aussi, mais les aiguilles, j'y crois vraiment pas. Quoique, vu qu'elles sortent du sol et que l'œil est dans le sol, peut-être. Sinon, tout le reste du tour, la muraille, elle est infranchissable, quoi. C'est une muraille bien dure, bien infranchissable. Donc, je pense qu'il faut retourner devant. Est-ce que de ce côté, il y avait des choses intéressantes? Pas vraiment. Évidemment, aucune gueule à l'intérieur pour pouvoir changer. Je suis en train de repartir, mais... Donc là, si j'attaque en bas, les pics ils vont aller nulle part. Donc ce petit trou de souris, il sert à rien. Ou alors si on tire hyper précisément, on peut passer peut-être, je sais pas. Dans ce sens là, avec le petit léger. Ouais, tant pis, hein. Au revoir. La limite de la santé mentale, ouais. C'est une définition qui correspond pas mal. Ça, j'ai déjà essayé. Ça ne sert à rien. J'ai pas... Je suis pas allé me coucher là-haut.
finir ça avant, comme ça. Qu'est-ce qui peut me permettre d'attaquer à travers les murs, quoi? Sens. Mais quoi? Je pense que je vais m'arrêter là du coup, parce que buter là-dessus pendant une heure, ça va pas le faire, ou même pendant juste 10 minutes, ça va pas le faire. Du coup, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées, je suis preneur. Sinon, j'essaierai de penser à regarder là, une soluce ou autre. Ça m'arrangerait que ce soit pas une vraie solution que je trouve, mais juste des indices. Mais là-dessus, j'ai l'impression que je peux pas contourner la porte parce que tout est bloqué. J'ai l'impression que je peux pas tirer dessus, que enfin aucun de mes tirs n'a de l'effet. Ça a pas l'air d'être... il faut tuer tous les yeux de toutes les salles parce que... parce que certains réapparaissent. Juste en sortant de la salle et en revenant. Ou alors il faut faire ça sans jamais sauvegarder et tout, je sais pas. Ça me paraît étrange, je sais pas. Du coup, ben, j'en suis là de ma réflexion. Je sais pas comment rentrer dans cette zone-là qui m'a l'air d'être la dernière du jeu. Du coup, la prochaine fois, ça sera soit on trouve comment y aller, soit on va chercher les deux petites zones là en bas à gauche dans l'autre monde qui sont faisables et après on les pousse quoi. Donc je pense qu'on va être obligé de chercher une solution bientôt. Bon, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires partager, aimer la vidéo, tout ça. Et à bientôt.